Bonjour à tous, c'est Geoffrost25. On se retrouve aujourd'hui pour un thème spécial. C'est donc la classe des minifigs de la saison 15. Et donc on se retrouve donc avec quelques sets de cette saison. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, mais aussi vous allez voir toutes les mini figurines en détail donc dans cette vidéo. Donc elle va être un peu longue. Préparez-vous à bien regarder la vidéo. Et sur ce, je vous dis bonne vidéo. Donc on se retrouve sur le site Brickstore où j'ai pu me procurer aussi quelques petites minifigs pour compléter la collection. Donc ce n'est pas une vidéo partenariat, mais c'est juste pour présenter la boutique. Elle est récente et vous pouvez trouver différents produits sur ce store. Donc comme vous pouvez le voir, les différentes pièces. Donc pour cette partie de donc sur Brickstore, vous avez différentes catégories comme vous pouvez le voir. Voilà, donc je vous montre à l'écran ce que l'on peut faire donc sur Brickstore. Ils font aussi des customs, donc ça c'est assez sympa et assez varié. On avait déjà Super Brick, maintenant nous avons Brickstore, donc il y a deux magasins qui le font en ligne. En tout cas, il y aura de la concurrence dans ce niveau là et donc voilà, donc moi je me suis renseigné et je suis allé prendre quelques minifigs donc sur ce site, et je vous montre donc à l'écran ce que j'ai pu prendre. Donc voilà, donc c'était un petit tour donc sur le store, et donc on se retrouve de suite pour voir les minifigs. Donc voici tout d'abord Nia Golden, donc qui est exclusive au set donc du Dragon Fire Attack. Donc voilà, donc je vous fais un petit tour de la minifig, elle est hyper sympa. Donc voilà, donc n'hésitez pas à essayer de la voir, elle peut être sympa. Nous avons ensuite le Marais, donc le serpent donc de la saison 15. Deux couleurs, donc noir et bleu clair, donc c'est les couleurs principales de cette saison. La tenue de plongée, donc on enlève aussi la tenue de plongée. Et donc voilà le petit tour de cette figurine. En dual moldage, donc c'est en deux parties. Nous avons ensuite le personnage Kai, donc de cette saison, en tenue de plongée, donc rouge avec du rouge foncé. Donc on fait un petit tour donc de cette figurine. Et nous avons également la tenue donc avec les cheveux de Kai, donc avec le petit bandeau également en rouge. Hyper sympa, mignon, tout ce que vous voulez. Nous avons ensuite la figurine Lloyd, donc en vert avec son coloris, donc vert foncé, et qui est en tenue de plongée, donc ça ressort hyper bien. Et enfin donc cette figurine donc avec la coupe de cheveux, donc, que l'on peut déjà retrouver pour la saison 14. Donc voilà. Nous avons aussi la figurine J, donc le J donc avec le bleu clair, bleu foncé, ça va plutôt bien, et en plus ça se marie bien avec la tenue de plongée de Nia, vous allez voir juste après. Ici avec le bandeau bleu foncé également. Voilà. Et enfin donc Nia, donc en tenue de plongée en bleu clair. Donc, je la fais tourner, voilà, comme ceci. Donc, c'est en tenue de plongée. Et donc là j'ai rajouté donc sa tenue de. Avec donc sa coupe de cheveux que l'on peut retrouver dans le Fire Attack, hein. Tout simplement c'est avec la figurine dorée, donc on peut la retrouver qu'ici cette coupe de cheveux, et elle est très intéressante. Passons maintenant aussi avec les gentils, donc c'est Ben Tomar. Voilà, donc je le fais tourner tranquillement, donc une figurine exclusive donc au set donc à 120€ du temple donc de l'eau. Ici vous avez donc Calmar, voilà, donc c'est le roi des poulpes. Voilà, donc je la fais tourner tranquillement. Hop.
Nous avons également donc Niad, donc je vais vous la montrer en deux manières. Donc vous allez voir comment on peut la retrouver également. Donc je la fais tourner aussi. Donc très sympa la tenue, donc avec le bleu foncé qui prime donc sur le bleu clair. Donc on a un dégradé de bleu hyper intéressant. Et là nous avons donc la figurine donc avec donc ce moule en bas, donc comme une vague. Donc ça rend hyper bien avec les pièces qui est représentée en bleu clair. Voilà, donc je vous la fais tourner. Appréciez ce magnifique visuel. Vous allez le voir juste après. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez voir comment cela rend-il donc dans mon mock final. Donc plutôt un assemblage donc de modèles. Et donc voilà pour cette figurine. Nous avons donc une figurine exclusive au set donc du Temple de l'eau. Donc c'est donc Glutinous. Voilà, donc très sympa également. Je le fais tourner donc sur lui-même en essayant de ne pas le faire tomber, bien sûr, avec sa petite loupe. Et donc très original à avoir comme figurine. Nous avons ensuite le personnage Wu. Alors ce Wu là, on le retrouve donc dans un set donc qui date quand même d'il y a 2 ans. Donc c'était dans le modèle donc de la voiture des ninjas. Ici vous avez donc Maya, donc la mère de Nia et de Kai. Donc cette figurine là on peut la retrouver sur la saison 7, donc avec les mains du temps, donc pour la saison des mains du temps. Donc on ne peut pas l'obtenir cette année malheureusement. Nous avons aussi Rey, pareil, donc il apparaît au même moment que Maya, donc dans la saison 7 des mains du temps, donc c'est avec la forge. Donc c'est le set de la forge avec Kaenia et le dragon de fusion. Donc hyper sympa ce petit personnage à avoir. Nous avons aussi également le Samurai X. Donc lui on peut le retrouver un petit peu plus récemment, donc sur la saison 8. Donc quand il y avait les frères Garmadon. Voilà, donc je vous la fais tourner. Et je vous fais un petit zoom aussi sur cette figurine donc. Avec donc la tête et les cheveux donc de Pixal. Donc ça on ne peut le retrouver qu'à partir de la saison 3. Donc ça devient très très vieillissant. Donc pour avoir cette figurine assemblée en deux parties. Nous avons également le personnage Clutch Power. Donc pareil, on pouvait l'obtenir il y a 2 ans. Et il est un personnage important de cette saison également. Il ne faut pas l'oublier quand il a donc l'amulette. Donc à voir donc pour la saison 15. Nous avons aussi Mamatus, donc qui apparaît dans la saison 14. Cette figurine on peut la retrouver encore en magasin donc dans différents sets. Donc surtout donc dans le repère de Mamatus. Voilà, un petit tour sur lui-même. Nous avons aussi la Rey, donc que l'on peut retrouver que dans des modèles hyper quand même chers. Donc c'est pas à le négliger. Mais bon, c'est une petite pièce sympa qui représente aussi la saison 15, donc qui représente sous l'eau. Ici, je vous présente donc les amulettes donc d'une partie de l'eau, donc qui se représente en bleu clair, et l'amulette de foudre qui est représentée en violet foncé. Donc un petit tour sur lui-même avec du coup Clutch Power qui vole les amulettes. Et donc voilà, donc je vous montre un peu en détail le diorama donc, que j'ai pu faire pour cette saison 15, donc le... avec du coup le temple de l'eau et aussi le robot Hydro, donc qui est en début de gamme ici. Donc pour apercevoir Cole, nous pouvons aussi apercevoir Bentomar, le petit véhicule de Kai avec Nia Doré qui représente hyper bien donc ce diorama. Je l'apprécie énormément cette figurine. Donc un petit tour aussi également avec le chef Mamatus au côté, donc qui s'allie aussi avec les ninjas si vous ne le savez pas encore. Donc on l'a su à la fin de la saison 14. Ici donc vous avez le temple de la mer avec donc Rogira, donc un combat final donc que vous verrez donc sur Oku. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, vous le verrez prochainement. Ici donc à Iniad qui est très bien représenté, on peut vraiment voir une jolie scène de combat avec Jay au plus près de elle hein, de toute façon. Donc voilà, j'essaie de vous filmer ça
pour que vous voyez comme si vous y étiez en train de regarder ce diorama. Nous avons aussi Maya ici qui est représentée donc sur le robot. Donc on la voit des fois sur le robot, mais ça je vais pas en dire plus. Nia également donc qui est accompagnée avec sa mère. Clutch Power donc qui vole une amulette. Et donc je vous refais donc un dernier petit tour donc de ce diorama. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la partager et à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Vous pouvez retrouver tout ça donc sur ma chaîne Geofrost25. Je vous dis à la prochaine et salut salut.